Bonjour à tous les amis, c'est le Jumper, j'espère que vous avez bien écouté. Moi c'est nickel comme d'habitude. Aujourd'hui vous le voyez, on est de retour avec le pire des marchands de glace au monde. On se retrouve pour Ice Cream 6. Les amis, ça faisait 2 ans que vous attendiez la suite. Elle est là, on va aujourd'hui, je vous rappelle, délivrer nos amis du terrible marchand de glace qui est bien sûr Ice Cream. Bah écoutez, on y va, parce que ça fait un petit moment quand même qu'ils nous attendent. Ok, donc là on va commencer, alors on va aller en normal quand même, parce que t'as quoi, fantôme? C'est quoi ça? Les ennemis vous voient pas, mais c'est quoi cette difficulté trop facile? Ok, facile, les ennemis sont lents, d'accord, normal, et difficile. Et bah on va aller en normal, voilà comme tout le monde, et c'est parti. Ok, bah écoutez, let's go, j'arrive les potes, vous inquiétez pas, je suis là. Janvier 1983. Dans la salle de contrôle, il y a moi et mon pote. Angé, tout ce qu'il y a à manger, ses conduits mènent à un endroit où les friandises sont fabriquées jour et nuit, sans interruption. Alice est cachée dans cet endroit, c'est sûr. Elle est si douce qu'elle doit se fondre dans le décor avec toutes ses douceurs autour d'elle. Charlie pourrait être là aussi. Mais... T'entends ce bruit? Il faut retrouver tout le monde. C'est le seul moyen de régler son compte à Rod. On doit rester concentré, tu m'entends? Oui, parce que Rod, c'est le marchand de glace, attention. Limite, est-ce que ça ne serait pas Charlie? Yes! C'est Charlie! Oh, c'est moi, attends! Où sont mes amis? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas me sauver? Eh bien, on dirait que je vais devoir m'échapper tout seul. Oh non, Charlie! Au moins, cette cuisine semble inoffensive. Peut-être que je peux manger un peu de glace? Non, il faut pas manger la glace! Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Matty? C'est une cuisinière? Elle a l'air horrible, hein. Je crois que j'ai besoin d'un plan. Ok. Ça roule. Trouvez un moyen de communiquer avec J et de retrouver vos amis. Ça roule. Oh, regardez cette énorme cuisinière! Attends, mais c'est... Ouais, c'est vraiment un robot? Ok. Bon, très bien. Je te veux dans mon usine de crème glacée. Ok. Ah oui, c'est vrai, j'étais tombé là depuis la fois dernière. Très bien. Bon. Conduit d'aération. C'est parti. Rappel, si vous n'arrivez plus à avancer, vous pouvez... Ok. Pas besoin d'indice, moi. Oh non, j'entends les petits robots. Ok, je peux même me planquer dans le placard, très bien. Attention, il y a quand même la cuisinière qui est là. Hein. Porte de sortie, il ferme la clé. Trouver un moyen de prendre, de la prendre à Matty. Oh, c'est Matty qui a la clé. Ok. Oh non, c'est le retour de ces petits robots maléfiques là. Ok. Bon, ils ont l'air d'être tranquilles. On va les laisser préparer ce qu'il faut là. Waouh, l'usine de Rod, elle est tellement grande. C'est quoi ça? Bureau de Joseph. On dirait que quelque chose peut être inséré dans le trou. Ah, du coup, c'est fermé par le verrou spécial. Je sais pas si on va croiser Rod. Pour l'instant, je l'ai pas vu. Ok, rien dans les toilettes. Faut vraiment absolument tout fouiller hein, dans son usine. Il y a un robot. Alors, eux, normalement, ils peuvent alerter. Oh non, oh non. Mais électrocute pas, non! C'est rien! Il m'a bloqué! Oh non, c'est bon. Ça a dû appeler Matty. J'entends quelque chose. Y'a quoi dans le tiroir? Un papier? Rien du tout. Rien dans le placard. Ok, c'est bon, il est. Garotte! Oh, le marchand de glace est là! Je vais t'attraper, mon gars! Jamais! Oh, j'avais pas vu cette pièce là. Ah, mais en fait, ça fait le tour. Un quasi mystérieux avec un K, très bien. Les verrouillés. Système de reconnaissance faciale. Faut que j'ai un masque de Rod à tous les coups. C'est le moment ou jamais de partir! Je crois que j'ai tout le monde aux trousses! Wouh! Let's go! C'est immense ici! Ok, c'est bon, il m'a perdu, il m'a perdu. Non, pas tant que ça en fait. C'est bon. Non, il m'a vite vu. Je crois qu'il m'a refroidi. Ok, bon, il vous reste deux essais pour sauver vos amis avant la fermeture du zila. Ah oui, c'est vrai. Tu as des fusils, j'avais oublié. Bon, 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 alors, c'est très grand, très très grand. On va y aller plus prudemment. Oh. Il m'a enfermé dans le... Dans le frigo. Mais bon, heureusement il avait très mal fermé le frigo. Je suis dans une autre pièce. Système de température, très bien. Ah oui, donc là il faut trouver le moyen de se barrer d'ici. Voilà, par là.
Ok, avant de se dégeler. Mais attends, d'où... Non mais d'où tu m'as vu toi? Non mais c'est pas possible. Donc là je suis déjà venu ici tout à l'heure. Donc là Rod va venir hein. C'est bon? Attends, c'est si grand que ça pour qu'il arrive? Oh, non, tu déconnes! Pas de problème. Pas de panique. Pas utiliser ce truc là, j'ai pas l'impression, le monde charge, ça a pas l'air de fonctionner. Oh, attendez, il y avait un casier ici. Rien. Ok, rien du tout. Ok! Ouais, et c'est rien tombé pour l'instant. Rien du tout. Oh, si, il y avait un truc. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, ça. Mais ils sont partout! C'était, ça se trouve, c'était juste un carton. C'était juste un carton, je crois. Ils sont terribles, ces robots. Ok, il y a un truc là-dedans? Rien dans le tiroir? Non, 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 mais t'es pas sérieux. Oh non, c'est pas sérieux. Non, mais t'es pas sérieux, il m'a déjà chopé. Mais quoi? Oh là 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 là. Mais c'est hyper dur. Ok les amis, j'ai une petite technique là. Vu que maintenant on a tout repéré, on va pouvoir relancer comme ça, on ne perdra pas de vie, tu vois. Ok, donc là c'est bon, on est en normal, let's go. Ouais, ça j'aime bien, en fait, en général, je lance le jeu une première fois. Comme ça, je peux tout repérer, tous les lieux. Comme ça, s'il y a des endroits importants ou pas. Et je recommence direct, même si je perds les points de vie, c'est pas grave. Parce que je sais que je vais recommencer direct avec mes 3 vies. Ça c'est cool, ok, donc là on sait que maintenant les casiers. Oh la mama. Ok. Allez, occuper. Allez, s'occuper de la glace. Faudrait que j'arrive à lui voler son truc là. Morceau de journal. Ah, ça a sonné. Ok, j'ai trouvé un morceau de journal. J'aimerais bien le déposer. Attends, j'ai pas vu à quoi ça sert. On peut pas stocker beaucoup d'objets hein, donc. Rod, c'est vraiment le pire hein. Oh. J'étais pas venu. Y'a quelque chose là-dedans? Non. Oh, bocal de verre. On peut pas le péter. J'ai cassé. Il va nettoyer du coup. Rien là-dedans. C'est encore un robot, c'est quoi? Rien là-dedans. Ok, rien dans le bocal. Un autre bocal. Rien du tout. Mais attends, mais combien de bocal de verre? Un autre morceau de journal. Je vais peut-être le lâcher là. Et ramasser mon morceau à moi là. Celui que j'avais Oh, il y a une boule là-haut, un œuf. Avec un 7 écrit dessus. Donc là, il y a beaucoup de trucs à fouiller ici. Hein. Le problème, c'est qu'on a le balayeur de l'extrême qui est là. Et qui veut vraiment pas partir. Hein. Ok, on ferme la porte. Bon, vraiment, c'est. Je vais être accroupi constamment. Hein. Ah, c'est verrouillé ici. Attends, il va pas me suivre ici, tu déconnes. Ici. Il m'a pas vu. Ok, ok. Je suis accroupi. Rien ici. On peut pas prendre ça? Non. Boîte contenant des œufs. Oh, j'ai vu un œuf tout à l'heure. Peut-être fallait le ramener là. Je vais essayer de déposer mon journal ici. On a même vu. J'aimerais bien le prendre. Il a pas l'air d'être là. Ça c'est quoi ça? Je peux pas le prendre. Je peux pas le prendre. Je sais pas où est Rod mais. Alors faut pas oublier que c'est... Médaillon. Ok. Que Rod, il peut pas. Même les objets, tout n'est pas forcément au même endroit. J'ai pas été voir correctement ici ce qu'il y avait. Là, à mon avis, c'est la sortie. Hein. C'est la fin ici. Hein. Alors, j'ai pas trouvé le moyen encore de. Démarrer la machine! Placer la cuillère à glace. Oh, bah attends, mais. Ah, y a un objectif à faire? Je l'ai fait sans faire exprès. Hein. Ok, donc jaune. Regardez à droite, on voit ce qu'il faut faire, la boule. Bleu.
rouge, bleu et jaune. J'ai raté. Bleu, rouge, jaune. Jaune, vert bizarre et bleu. Bleu, jaune. Horrible. Oh, pas cool. Faut que je fasse le tour. Faut que je fasse le tour. Il fallait qu'il y ait un mecha, un petit robot qui arrive. Oh, je les déteste. Non, non, mais non. Ma machine, elle tourne tout sale. J'entends un drôle de bruit. Ah, c'est ça, va balayer ailleurs. Jaune, bleu, rouge. Le... Oh non. Oh non, non. C'est pas grave, tant pis, on recommencera. J'ai perdu mon médaillon, bien sûr. Alors, j'ai un piège. Il a pas l'air de revenir. Non. Je l'ai pas... Oh la face. Et j'espère que je vais pouvoir recommencer le truc. Si je peux rester cassé, ça serait bien. On voit pas là, on est d'accord. Hein. Mais comment il sait que je suis là constamment? Horrible! En plus, la musique s'arrête, donc ça veut dire que normalement il arrête de te poursuivre. Le problème, c'est que je sais pas de quel côté il va arriver en fait. Ça serait bien qu'il se barre d'ici. Cela, il y a à mon avis le masque. Pff, il m'a pas vu. Le masque, c'est pour ouvrir la porte. Oh, ok, bien joué. Bon, faut que je redémarre. Oh non, c'est horrible. Jaune, rouge. Il balaye l'autre, je l'entends. Le... Oh, je crois que c'est le dernier. Je vois un bouton à droite. Oui. J'ai réussi. J'ai regardé, il y avait tous les interrupteurs allumés et tout en fait. J'étais tellement concentré. Cool. Costume. Oh, tant que vous portez ce masque, Mathie et les minis ne vous embêteront pas. Pardon, mais c'est trop bien. Attends, mais c'est génial. Mais c'est génial. Mais c'est là que ça va devenir trop facile. Ah ouais, c'est trop cool. Par contre, Rod, s'il me voit, il va se dire... C'est le problème, non? Trouver un... La... Ok, faut trouver un truc à Mali. Ah, attends, déjà, Mali, je l'ai vu, elle est de l'autre côté. Oui, elle est là. Il faut que je lui prenne la clé. Comment je peux le prendre? Là, un sur elle, de plus. C'est la clé. Là, je suis dessus, là. Elle me dit pas que je... Dis pas que je peux pas lui prendre, là. Ah, faut lui balancer un truc à la tronche. Ouais, on peut pas lui prendre comme ça. Ok, il va falloir la paralyser. Reconnaissance faciale. Accès accordé. Oui, j'ai la tête de Rod, donc je peux y aller. Hop, désolé, mon gars, mais moi, c'est ma pièce, ici. Ok, un placard. Bac à linge. Qu'est-ce qui pourrait être caché là-dedans? Y'a rien d'intéressant. Génial! On va fouiller celui-là. Ok, rien non plus. Celui-là peut-être. Oh non, j'entends plus de son. Oh, chaussette sale! Blah, c'est dégoûtant! Placard? Placard? Un code! Je pensais pas qu'on pouvait avoir des trucs planqués dans le placard, j'avais zappé ça. Le problème c'est que tant que j'ai ça, je ne peux pas. Ouais, voilà. J'ai une chaussette sale. À quoi ça pourrait servir ça? Bon, j'aimerais bien fouiller encore un petit peu. Quasi mystérieux, d'accord. On va fouiller un peu tout. Rien là-dedans. Ouais, tu peux me regarder, c'est moi ton patron, d'accord? Rien dans le tiroir. Rien dans le placard. Pousse-toi mon pote. Un peu ici. Attends, je peux fouiller ça. Oh, il y a une autre pièce là, regardez. Médaillon côté gauche. Donc là, on a les deux. C'est ici. Ok, médaillon.
Et deux. Nice. Et là, ça mène aux toilettes. Et là, Rod était aux chiottes parce qu'il avait une grosse gastro à cause de tacos. Du coup, c'est pour ça qu'il était pas là depuis le début. Ouais, ouais, miam, 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 ouais, t'as raison. Parce que j'ai mis le deuxième truc. J'aurais pas mis quelque part le deuxième masque. Oh, attends, mais ça. Remets ça vite, oui. Là, il faut une clé. Je me demande si c'était pas où j'étais enfermé au début. J'aimerais trop la pousser là-dedans. Mais peut-être moyen comme ça en vrai. T'actionnes un système, ça la pousse. Et hop, elle lâche la clé, tu sais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un réservoir, allez, une réservoir rempli de lait. Oh, peut-être faudrait que je mette la chaussette là-dedans. Genre pour que ça pue, tu sais. Attendez, déjà, on va voir si je peux retrouver mon médaillon. Je crois qu'il était là. Let's go. Médaillon. Ok, cool. Ça va constituer le médaillon. La porte est débloquée. Trop bien. On ferme ça tout de suite. Un journal encadré. Ah, c'est là qu'il faut mettre les trucs de journaux. Rien là-dedans. Un morceau de journal. Ok. Oh, c'est pas en rapport. C'est un autre jeu, ça. Eh bien, il semble que j'ai plus de place ici. Ou peut-être que je peux faire entrer une planche à repasser de plus. C'est le jeu avec la nonne. Je me rappelle, je l'avais testé, c'était incroyable. Sœur Madeleine. Sœur Madeleine. Pardon. Ouais. Philippa, je pense que l'idée de faire une lessive. C'est pas son fils, je crois que c'est son fils. Rod est le fils de la nonne démoniaque avec ses yeux rouges déjà. Je pense pas que bon, tu la vois arriver, tu te dis, oh, elle est sympa quoi, avec ses yeux rouges. Non, tu déconnes, ils peuvent venir en cette pièce. Là, c'est le moment de se barrer normalement. Alors, je crois que j'avais laissé la pièce de Cookie. C'est là qu'il y avait. C'est dans cette pièce de Cookie qu'il y avait tout. Moi je fais le tour sans problème. Il est là, Rod. Oh, panique. Non. Oh, je peux m'enfermer ici. Let's go. Une pièce sécurisée. Entrez le nom du client. Appelez J. Wow. Hey J. Tu m'entends? Oui, on te voit. On suit le plan. Cool, c'est bon. Ok, ça c'est quoi? Ah, mais c'est pour changer. Ah, faut retourner dans l'autre couloir. Ok, bah attends. Avant, je vais terminer avec le journal. Ah ouais, j'avais oublié qu'on pouvait switcher comme ça, y avoir deux équipes. Ça va les gars? Trop bien. Donc là, on est de retour à la salle de contrôle. On va reprendre Charlie. Jay, trop bien, je sais que maintenant j'ai une place de. Une place sécurisée. Bon, ça va. Donc là, Rod, non, s'il te plaît. Ouais, c'est bien. C'est quoi ça, garde-manger? Je suis jamais venu ici. C'est bloqué parce qu'il n'y a pas de courant. Génial. Mauvaise idée. Hop là. Non! Je peux tirer mon piège, mais c'est pas une bonne idée, c'est pas le moment! Le cookie est là, la salle de cookie, elle était là! Oh là, mais ouais, mais je ramasse le journal, ça prend 1000 ans! Encore ici. J'espère qu'il m'a laissé votre papier où je pense. Ah ouais, c'est dommage, comme par hasard, c'est genre le. Tu peux pas prendre. Non, c'est trop compliqué, tu peux pas prendre bien sûr le papier de journal dans ta poche avec le masque de Rod sur la tête. Non! Oh bah alors là. Il y a trop de robots. Voilà, dis-moi que c'est encore là, bien joué. Ok, un journal. Là faut aller ici. Déposer un papier de journal. 2 sur 6. Rod, faut que je fasse le tour. Bah là ouais, ça passera pas à mon avis là, le coup de jeter ton masque. Écoute, il arrive. J'en étais sûr. Il allait m'attraper tôt ou tard. C'est chaud. Et bah là au moins je sais qu'il est derrière moi, y'a plus de problème. Oh non. Heureusement la maman elle m'attrape pas.
Je me mange la porte en pleine tronche. Ok, masque. Le journal. Ok, pas de panique. Elle m'a pas vu. Excellent. Je pense que Rod, là, il doit être en train de courir partout. Il sait plus quoi faire. Ok, donc là, c'est bon. Ok, 3 sur 6. Y'a toujours rien dedans, y'a des parchemins. Placard à épices. Qu'est-ce que c'est? Le placard est fermé par un dispositif de verrouillage. C'est quoi ça? Frosty. C'est une photo. Le masque, il a dû retourner à sa place. Oh non, t'es pas sérieux. Non, je suis bloqué. Je suis bloqué par un robot qui mesure 30 cm. Mais c'est pas sérieux. Oh là 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 là. Ok, on a quoi là-dedans? Tiroir. Tiroir, rien dedans. T'es pas sérieux. Dis pas qu'il y en a, s'il te plaît. Non, c'est bon. Il est là, mais il est à côté. Mais vu que j'ai ouvert le placard, il me voit pas avec la porte. Voilà, c'est bien. Ferme ma porte pour moi, s'il te plaît. Casier, rien du tout ici. Ok, donc cette partie-là ne sert à rien. Non, mais attends. T'es pas sérieux là? Il va pas faire que ça. Genre, il a entendu un placard. Hop. Ah, oh oh. Double alarme. Faut que je récupère mon masque. Ah, je crois que le masque il est au niveau de la chaussette. Non, c'est bon. Oh lui il est. Ma chaussette est plus là. Ah, j'ai dû l'acheter ailleurs. Il y a toujours le coffre là. Ok, là je pense que j'aurai besoin. Allez là. J'aurai besoin de mes potes. Ça, je me demande si je peux pas le mettre dans le. Bon bah là c'est mort. Est-ce que je peux pas le mettre dans le lait? Oui, c'est ça. Hop là. Allez, réseau modifié sur 3. Non, il peut ouvrir les potes. Oh non, je suis encore enfermé dans le frigo, mais sérieusement. Bon, les amis, là il va falloir que je fasse appel à mes potes là, un peu là. Parce que là il me reste quoi, 2 vies hein, vu que j'ai dû tout refaire et tout. Et en vrai je crois que même en simple c'est chaud hein. Ok, vas-y, nickel, c'est exactement ce que je voulais faire. Ok, donc là on va appeler les potes. Parce que je pense que là il va falloir qu'ils rétablissent le courant, parce que sinon on pourra pas accéder à une des portes. Ok, c'est parti. T'inquiète pas, ça va aller. Ok, bon. Waouh, ça c'est cool ça. On a le droit à 2 tirs uniquement, d'accord. Alors là je connais pas du tout cet endroit là. Enfin si, on l'a déjà vu il y a longtemps. On rappelle, il y avait un énorme vigile et tout. Et là normalement Rod il peut pas être des deux côtés, c'est pas possible. Ça m'a toujours fait rigoler parce que c'est pas logique. Ok, nice. C'est quoi ça? Un slip. C'est le slip de Rod. La porte est bloquée de l'autre côté, ok. On peut ouvrir les cages. Alors c'est maintenant que tu peux t'y cacher, mais je trouve pas que ce soit un bon plan. Ça je me rappelle, on y était ici. Waouh, c'était dans Ice Cream 5 ça. Là-dedans on peut y descendre. Le musée. Oh, attends, mais c'est si grand en fait. Je dis pas qu'il va falloir tout revoir. Non, c'est une blague. Waouh, ouais, c'était si grand cette pièce là. Cet endroit là, vous vous souvenez? C'est tellement grand. Ouais, non, tout le musée n'est pas ouvert. Je peux tirer dessus ou pas? Waouh! Ah ouais, ça l'a fait bien mal. On peut passer ici, ouais. Tranquille. Alors là, s'il vient là, je suis mort. Waouh, mais j'avais... Eh, hey, le musée était si grand. Waouh! On est au garage, là. Pour l'instant, il y a... boîte aussi. Oh, je peux filer là-dedans. Rien d'intéressant. Bon, il y a bien un truc à trouver dans le garage. Hein. Bon, là, c'est fermé. On peut pas aller dehors, logique. Boîte aussi. Avant de se déplacer, je me rappelle, dans le camion. Wow, une lime. Ça, ça pourrait me servir. Dans le musée, j'ai vu qu'il y avait un espèce de truc verrouillé. C'est mort, Rod, il vient pas au musée, du coup.
Non, ouais, je passe devant, tant pis. Ok, y'a rien ici. Ça, je peux rien récupérer. Ouais, ouais, tu peux mettre ton alarme autant que tu veux, hein. Non, il est là! Il est là, il est dans l'entrepôt! Oh! Let's go, vous l'avez vu passer, hein? Ouais, je vous l'ai dit qu'il passait, hein. Oh, il est ressorti. Oh, j'aurais bien posé un piège, mais pas sûr que ça va m'aider. C'est ça que je voulais faire. Avec, je suis sûr que Mike peut trouver un moyen d'ouvrir. J'ai une lime. J'ai perdu ma lime. Oh non, j'allais dire on est bloody bloqué. C'est bon, c'est bon, pas de panique. J'ai vu que Rod était là. Il y a un vrai Rod et un faux Rod. Comment ça, il passe au milieu? La lime, merci. Hop là, salut hein, mon gars. On va fouiller très vite avant que le robot arrive. Clé de la camionnette. T'es sérieux? J'ai les clés de la camionnette là. On peut totalement partir. Faut que je repasse là, je crois. Let's go. Garage. Cool. Y'a Rod. Je vais accrocher la barrière. Ah mais là ouais, là c'est foutu. à droite. Ok meuf. Je vais être obligé de redescendre. Non. Il m'a vu là encore. Ouais, il m'a perdu, mais il faut que je fasse le tour en fait. Bah ouais, je fais le tour par là. C'est pas grave, on va le contourner, on va perdre un peu de temps. Oh non, tant pis. Ferme la porte. Ok, c'est bon. Normalement il va là-haut, hein, là où je l'ai appelé. Hein. Ça c'est les clés de la camionnette. Je peux rien ouvrir avec ça, genre. Si. Un mot de passe. ADDE. On va grimper par là, ça vous dit? Ouais, j'arrive à le troll. Hop, trolling! ADDE! ADDE, c'est important en plus les codes, t'imagines que ça change à chaque fois! Ça, c'est en rapport avec ce que j'ai vu dans le. T'es pas sérieux. Dans un des casiers. De l'autre côté avec mon pote. Ok. Donc là, faut repasser là. On va rejoindre notre pote. Et lance-barre. ADDE. Ok. Let's go. Bon, à mon tour. À mon tour de jouer. Donc ça, je le garde. Je peux le jeter, en fait, hein, en soi. Oh, Mike. Un cadenas rebelle. Pas de problème. No problem. À propos de cet objet, pas besoin qu'il soit présentable. Une pièce de métal. Une lime et du scotch. Ah, il fallait du scotch. Ok, bah j'arriverai après. Je vais d'abord dire... à mon pote que c'est bon, je connais un code. Ok, donc ADDE. Alors ça, on s'en moque, c'est pas ici que ça se passe. Ok. Alors ADDE. Un morceau du journal. La droite. Alors c'est soit j'ai le choix entre Rod, soit le robot hein, donc il m'a pas vu, hein. Indice photographique. Ok, ça c'est bon à savoir. Ok, un indice en plus. Là, on va rappeler les potes. Je suis sûr que ouais, ça, il faut moisir toutes les recettes. Ok, donc là, il faut que je trouve du scotch. Du scotch. Et la lime. Il faut que je récupère la lime. Hop là. Allez, c'est parti. La lime, that is the problem. Où je l'ai mise? J'ai jeté où la lime déjà? Ah, quand j'ai récupéré les clés. Oh. Il va arriver le pote. Hein. Ok, donc là. En vrai, là. Ouais, je stresse, ouais. La lime, je peux déjà la déposer au pote. Bon, du coup, il ne reste plus qu'à trouver le scotch. Ouais, et une espèce de tige. Ok, ça roule. Bon, alors, à mon avis, le scotch. À tous les coups, c'est dans les bureaux, ça. Hein. J'avais tout fouillé ce bureau. Oh!
Let's go le scotch. Salut loser. J'ai trop peur, ça va tomber en tête à tête avec Rod, laisse tomber. Ok, 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 ok. Good. Tiens. Ok Mike, bon faut que je retourne là-bas. A mon avis j'ai oublié un truc dans le musée parce qu'il y avait aussi un espèce de cadre ou je sais pas quoi là. Bon je vais voir ma petite affichette. Oh plaque en métal. Mais attends mais c'est trop bien. What? Ah je vais ramener ça à Mike, c'est pas ça qu'il me faudrait? Dans le doute je vais le ramener à Mike. Parce que ça, ça me dit rien du tout hein. Wow. Oh là 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 là. Je vais être chaud à la fin de cette vidéo. Tellement je suis stressé. C'est ça qu'il te faut? Yes! Et voilà. Parfait. Un crochet de serrure. Vache. Les allers-retours s'il te plaît Mike. Au lieu d'être sur le bureau. Tu peux pas me filer un coup de main hein, poteau? C'est où déjà? Je suis paumé. Ah c'est là. Oui c'est ça. Je dois s'il te plaît. Ouais bien sûr. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Dans le doute, je préfère me planquer. Ils sont vraiment horribles, il y en a tous les mètres carrés quoi. Il va à la gauche. Je crois qu'accroupi, il m'entend de moi, mais pas sûr. C'est quoi ça? Junker. Je suis mort. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Oh là 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 là. Il me reste plus qu'un essai. Il faut que j'active le générateur. Ah ouais, et puis super, il m'a enfermé dans une cage aussi. Génial. Faut quelque chose pour l'ouvrir. Bah merci, heureusement qu'il a laissé un pied de biche. Hop là. Imagine que j'ai plus besoin de ce pied de biche. La porte est bloquée de l'autre côté. No joke. Ok bon déjà Rod il est bien malin. Je me tâte à faire un détour pour passer du côté de... Attends mais comment je vais passer de l'autre côté maintenant? Faut que je passe par là en fait. J'ai pas le choix. Voilà. Par le garage, on va prendre le garage. Je vais prendre mon arme. Ouais mon arme est toujours là. Et Rod est là. Rod est là, regardez. Il est occupé. Cool. Donc là, vraiment, si cette épée a arrêté là-bas, je le pète un plomb. Ok, donc en vrai, là, je suis pas trop mal. C'est là où je devais aller. Disjoncteur, les disjoncteurs, mais genre, c'est si dur que ça de lever. Oui. Oh, bah, je repasse par où je suis arrivé. Peut-être pas, non. Ouais, ouais, viens, 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 Rod, ouais, regarde ça, regardez, il est beau là. Allez, viens me chercher. Viens me chercher, voilà. Hop là, allez, salut Rod. Wouh. Ok, bon, allez. Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Oh la vache. J'ai mon pistolet, mais il va plus me servir à rien maintenant. C'était maintenant que je... C'était avant que j'en ai besoin. Il me reste plus qu'une vie quoi, c'est terrible. Et tu peux rien faire pour Voilà c'est mort, je vais contourner. Au pire j'utilisais mon truc là. Tu peux rien faire pour récupérer des vies, c'est ça que je voulais dire. Ok. Hop là, let's go. Ok, bon, mon pote. Maintenant c'est bon hein. L'électricité est revenu. Charlie, tu peux y aller. Ok. À moi de jouer. À moi de jouer. Oh mais non. Je crois qu'il fallait aller là direct. Et là normalement ça s'est ouvert. Bah pas vu. Cool. Ok donc là je suis pas encore venu ici. Boîte à œufs. Ok donc là à mon avis il y a des œufs moisis. Il m'a vu. Il restait une boîte à voir si c'est à la droite. Je l'ai vu. Il va venir Rod. Tiens. Oh j'y vais. Non c'est pas celle-là. Oh, œuf pourri.
Ah, hop là, les œufs d'ici. Oh la vache. Par contre, je vais tout de suite retourner. Et ça, je peux pas le prendre. Oh là 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 là, l'alarme. Non, mais tu mets ça chez toi, y'a aucun cambrioleur, hein. Je vais vite fait aller. Hop, ici. Wouh! Waouh, j'arrive, j'arrive. Bon, les amis, attendez, je viens de trouver une espèce de photo là. Derrière, un indice. Enfin, qu'est-ce que. Attends. Une photo derrière une photo. Alors, attends, lui déjà. Je peux pas tirer. Hop là, voilà, réglé. Nickel. C'est quoi ça? Alors, est-ce que, genre, il faut l'utiliser sur tous les tableaux? Ça me dit quelque chose, c'était au tout début, ça. Ouais, je me rappelle, ici. Il y avait un truc là-dessus. Ah, à tous les coups, faut faire ça avec tous les tableaux? Mais pourtant, les autres, je peux pas les bouger, je comprends pas. Attends, mais ça, c'était pas genre, ouais, au début. Une affiche, ouais. Ah, ok, attends. Ça, ouais, ça me dit quelque chose, je me rappelle. Ah, c'est là. C'est ça le symbole. Attends, donc il y a un rapport avec ça? Let's go. Et ça, je sais où c'est. Là, il y avait ça, là, ici. Let's go. Oh, ça, c'était là où j'ai eu la première photo. Mais attends, mais ils vont me filer combien de photos en vrai, là? Il m'a vu. Il m'a même pas vu. C'est quoi ça? Manivelle. Ah, ça va être pour la moto à tous les coups. Oh, let's go. Ça va être ça. On va se barrer avec la moto. Ce serait trop bien. Non? Oh. C'est ici! Wow! Boîte souvenir! Wow! Vous êtes enterré sous mes pieds. La guerre, vous l'avez déclenchée. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Maintenant, qui se tient dans l'entrée? Waouh! Qui est donc? Ça va être pratique la nuit pour se déplacer avec des yeux rouges comme ça à l'aide. Bonjour, je suis Sœur Philippa, la blesse de l'ordre de cette école. Il y a un moment que je n'avais pas eu de nouvelles de cet endroit, et comme vous pouvez le comprendre, je n'avais pas d'autre choix que de. Oui, de venir. Hmm? Ah! Écoute ces quelques mots. Tu resteras ici. Et car te voilà désormais mon esclave. Wow. Ça sert à quoi? Oh. Ah non, c'est bon, j'ai compris, j'ai vu. La télécommande. Le mécanisme a déclenché quelque part en usine. Oh, c'est pas le truc pour Oh si c'est ça. Le truc qu'il y avait dans le placard. Oh my god. Est-ce qu'on y est... on va y arriver? Il nous reste une life, les amis. One life. Une vie. Pour y arriver. Ok, c'est parti. Bon, là, c'est le moment de retrouver notre pote. Salle de contrôle. Wouh! Je suis trop chaud! Ok. Ok. Voilà! C'est parti. S'il te plaît, me donne pas Rod derrière la porte. Hein. Pas de problème. La maman. C'est moi. Oh oui, c'est ça. Pion expérimental. C'est pour le sucre. Très de sucre. Oh oui. Maintenant, c'est sûr, la crème glacée doit avoir un goût horrible. Je passe là direct. Hop là. Voilà, c'est bon. Woo. Donc là, il faut laisser la maman Mita là, machin. Sûrement boire le truc. Oh Rod. Il a fermé la porte là, d'accord. C'est bon, c'est ouvert maintenant. Salut. Ok, bah au moins il est cassé maintenant. Oh, elle l'a bu, elle sent pas très bien. Let's go. C'est bon ici, c'est sûr. Alors. Hop là. Ah. Oh là, c'est chaud. Charlie. Ça y est les potes, on est dit. Super, on est à nouveau ensemble. Bon, maintenant il faut juste qu'on retrouve Lise. Ok. Mais d'abord, j'ai des choses importantes à faire. Allez mon gars. Très bien. Alors J et moi, allons commencer les recherches.
Ne prends pas trop longtemps. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien du tout. Oh, let's go! Il joue à l'avion. Yes! Ice Cream 6! Wouah! Charlie a été réuni avec J et Mike, mais Liz reste encore à secourir. Ne manquez pas les prochains épisodes de la saga. L'usine de Rod renferme encore bien des mystères. Oserez-vous jouer dans un mode plus difficile? Relevez le défi, prouvez votre valeur et vous terminez les autres épisodes? Bien sûr que oui! Et les amis, on l'a fait! On va du coup... Et bah s'arrêter là pour l'épisode 6 de Ice Cream. J'espère en tout cas les amis que ça vous a extrêmement plu. C'est le cas, regardez, si vous n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Vous l'avez tellement attendu cet épisode, obligé pour barder cette barre de pouce bleu. N'oubliez pas aussi également de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche, très important parce que très bientôt je ferai Ice Cream 7. En tout cas, merci beaucoup les amis, merci. J'espère que ce nouvel épisode, ce nouvel opus vous a extrêmement plu. En tout cas, bah écoutez, je vous dis du coup à très bientôt. J'ai trop hâte de voir Ice Cream 7. Est-ce qu'on va enfin réussir à s'échapper et se débarrasser de Rob, le pire des marchands de glace au monde? On le verra ça la prochaine fois en tout cas. Merci à tous, c'était votre Jumper. Et on se dit du coup à très bientôt les amis. Allez, ciao.